Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors je fais une grosse dédicace à Juste Sniped qui m'a présenté le glitch, je mettrai ses chaînes en description, en commentaire épinglé, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors avant de vous présenter le glitch, je vous demanderai juste de vous connecter tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc n'hésitez pas à vous connecter tous les jours, le code de la map sera en description, en commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui nous soutiennent pour débloquer l'XP. Alors le code du glitch de cette vidéo, c'est le 7 3 8 6 4 0 4 5 4 9 7 6. Le code sera aussi en description, en commentaire épinglé. Donc là, vous sélectionnez la map, vous rentrez le code et vous sélectionnez la map, vous lancez la map en privé, vous cliquez sur jouer et pendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM pour me soutenir. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais ça soutiendra à fond la chaîne et si vous le faites, ben franchement, vous êtes des PG. Et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines aussi. Alors par la même occasion, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc voilà, merci à tous. Alors quand vous êtes dans la map, vous appuyez sur Options, vous allez dans Menu, lancer le jeu. Et là, moi ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes avant de faire le glitch pour gagner beaucoup plus d'XP. Donc si vous n'avez pas le temps, bah, vous pouvez faire le glitch directement. Mais si vous avez le temps, bah, vous attendez 10 minutes et vous faites le glitch juste après. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais attendre 10 minutes et on se retrouve juste après. Ok, donc là j'ai attendu 10 minutes, maintenant ce que vous faites c'est que vous allez prendre la faille, voilà, ensuite vous prenez une arme, donc là-bas il y a un cramponneur, si vous voulez, vous prenez le cramponneur et une arme, ensuite vous tirez sur le mot clear, ah ouais, en fait de base c'était comme ça, et donc vous devez tirer sur le mot clear pour faire apparaître les montagnes derrière, enfin l'envers du décor quoi. Ensuite, quand vous êtes ici, vous allez près de la cabine téléphonique, vous calculez un carré, deux carrés, trois carrés, vous mettez un sol. Ensuite, vous mettez une, deux, trois, quatre, cinq rampes sur la gauche. Et là, quand vous arrivez sur la cinquième rampe, vous pouvez voir que votre personnage lume en bleu. Donc à ce moment-là, vous faites une petite émote et là, vous allez gagner des XP. Ok. Ensuite, le deuxième glitch. Donc là, j'ai gagné quoi? 15 000, 16 000 XP, ouais, plus ou moins 16 000 XP. Donc ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez par ici, donc à la box de gauche, voilà, plus ou moins par ici. Et vous allez tout au fond, dans la grande box, et vous allez voir que là-bas, il y a deux glitches. Ah ouais, là, regardez, je peux plus sprinter. Donc quand vous pouvez plus sprinter, vous refaites une émote, et vous allez pouvoir reglisser. Voilà. Donc ensuite, vous venez ici, ici, il y a une petite caméra, vous interagissez avec. Boum. Ça va vous donner de l'XP encore. 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000. Donc là, on est à 30 000 XP, plus ou moins. Donc hop, vous retournez dans la box tout au bout. Voilà. Vous sautez ici. Et là, au bout, tout au fond, vous avez un bouton secret d'XP. Vous interagissez avec, ça va vous redonner de l'XP. Alors ensuite, vous allez derrière le Loadout. Donc là, on a gagné 12 000 XP, donc là, on est à 42 000 XP. Là, vous construisez jusqu'au-dessus de l'arbre. Et là, quand vous êtes au-dessus de l'arbre, vous mettez une petite rampe pour monter vraiment au-dessus. Et là, votre personnage devient bleu, vous faites une émote et vous allez regagner de l'XP. Voilà. Et le dernier glitch. Donc là, je sais pas combien j'ai pris d'XP, je pense 10 000, j'ai pas fait gaffe. Mais donc ça fait qu'on est à 52 000 XP, je crois. Voilà, et le dernier glitch est ici, près de la petite maison. Hop, vous allez dans le coin, juste ici, vous montez sur la caisse. Et là, vous avez un bouton, presse R. Donc vous cliquez, vous interagissez avec le bouton. Normalement, vous devrez reprendre encore une petite dizaine de mille. Après, c'est possible que vous gagnez beaucoup plus d'XP que moi. Je suis peut-être en une XP limitée, je sais pas trop. Donc là, j'ai repris 11 000, donc on est plus ou moins à 53 000 XP. Donc voilà, c'est un petit glitch d'XP. J'espère que cette petite vidéo ben, vous aura intéressé et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace!